Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus, c'est la prophétesse Harmonie. Je suis ravie de vous retrouver ce soir, donc j'espère que vous allez bien. On est le 1er juillet 2017 aujourd'hui. Ce message est adressé particulièrement à un usurpateur, un menteur, qui se fait passer pour un serviteur de Dieu alors que ce n'est pas du tout un. C'est un sataniste, un serviteur de Satan qui sévit et qui fait des adeptes partout dans le monde, qui s'appelle Kakou Philippe. Kakou Philippe, je viens avec un message de la part de Jésus. Tu prétends être serviteur, tu prétends être la réincarnation de Jésus. Alors, Jésus t'a laissé un message, donc ouvre bien tes oreilles. Tu vas mal mourir, il va te frapper, il va t'humilier. C'est fini. Le temps où tu étais en train de mentir en toute impunité est révolu. Tu vas mal mourir, Dieu va t'humilier. Ton cadavre ne trouvera même pas un endroit où être enterré. La puissance de Dieu va s'abattre sur toi. Tu as fait des adeptes partout. Tu as véglé des pauvres innocents. Les gens te suivent en croyant que tu es un vrai serviteur de Dieu, alors que non, tu es un faux. Tu es un faux prophète. Tu es un usurpateur, un menteur, un voleur, un assassin même. Parce qu'en faisant ce que tu fais, tu es en train de tuer à petit feu toutes les âmes. Ton règne est fini. Dieu va te frapper. Il va te frapper. Il n'y a plus de délai. Tu crois que ce que tu es en train de faire, tu auras le temps de demander pardon. Tu auras le temps que Jésus puisse te laisser une deuxième chance. Tu as eu assez de temps. Mais tout ce que tu as fait, tu as œuvré contre lui. Donc il est temps qu'il te montre, qu'il te prouve que ce que tu es en train de faire n'est absolument rien par rapport à ce qu'il va te faire. On ne blague pas avec Jésus. Jésus va se charger de toi, personnellement. Tu seras humilié partout. Des adeptes qui te suivent et qui connaissent tes œuvres, qui savent ce que tu es en train de faire, que tu n'es pas dans le vrai, eux aussi vont être frappés. Il y a aussi des adeptes qui sont aveuglés, qui ne savent pas la vérité sur toi. Dieu va leur donner une chance pour les ouvrir les yeux. Mais toi, c'est fini. Jésus va te frapper. Il va te montrer que non, tu n'es rien. Que tout ce que tu es en train de faire jusqu'à aujourd'hui n'a contribué qu'à rendre ton malheur encore plus horrible, plus abominable, plus difficile. Tu vas mourir. Jésus me dit que tu vas mal mourir. Il ne va pas laisser passer. Il ne va plus laisser passer les satanistes de ton espèce. Continue à sévir, continue à mentir, continue à faire des adeptes partout dans le monde. Et vous qui êtes en train de prier dans l'église de cet homme, vous êtes responsable. Vous devez aller chercher Jésus-Christ, chercher le Saint-Esprit qui vous parle sur cet homme, qui vous révèle la vraie identité de cette personne. Vous n'avez pas d'excuses. Votre devoir est de veiller à ce qu'on ne vous trompe pas. Kakou Sévérin, le temps est venu pour toi. Jésus va te mettre KO.